Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Razika, c'est parti pour un petit tour à Callot de Servon. Alors Callot, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Donc c'est un magasin de déstockage, alors il y a vraiment de tout, il y a des vêtements, de la déco, de l'électroménager, de la nourriture, mais on va aller faire un petit tour ensemble. Petit meuble télé, 1 mètre sur 40 sur 50 cm de hauteur, 39,99 €. Allez, je vous fais un plan hyper large, vous voyez, c'est comme ça. Et puis sur les côtés, par exemple, là-bas, il y a la nourriture. Au fond, je vois qu'il y a des rideaux. Et puis là, on va voir le côté électroménager. Donc bien sûr, ça va dépendre de du jour de votre visite. Il y a des choses peut-être qui seront encore là. Il y a des choses que vous ne trouverez pas. Vous trouverez peut-être autre chose que vous ne cherchiez pas. Robot multifonction Moulinex double force. 149,70 €, donc il y a 10 accessoires et 31 fonctions. Il est là. €11,90. Jeu de création coussin laine, €11,95. On a même des jeux Nathan. Alors c'est un puzzle. Moi je me souviens qu'il y a très longtemps j'avais acheté les mêmes c'était à ma fille. C'était la princesse. Yoka Watch, 6 €. Les figurines. Non, c'est des figurines. Non, c'est un kit de base. 6,18 €. En tout, il y a pyjamasque. Le jeu, alors je vois pas le prix du pyjamasque. Toutes les étiquettes sont là, mais bon, j'ai pas retrouvé. Le jeu piqûre, 7,19 €. Le roi des gourmands, ça c'est rigolo, on l'a eu avec les enfants, 12,81 €. Le Rubik's Cube. Alors il y en a qu'un et je sais pas s'il y en a un autre ou pas, mais en tout cas celui-là c'est pour nous parce que voilà, c'est le vrai Rubik's. Donc on a plusieurs modèles, mon fils il adore ça, mais c'est vrai que le vrai Rubik's dans les magasins ça vaut 20 €. Et donc il en reste un à 8,64 €. Voilà, on a vraiment des jeux pour tous les âges. On a le jeu Monopoly Cash and Grab. C'est une sorte de petit pistolet. Il est à 9,55 €. On a des accessoires à 1 €. Ah bah, 1 €. Alors, faut regarder ce qu'il doit y avoir. Plusieurs. Bah, oui, 1 €. L'écharpe avec la paire de gants. €1 les moufles. On a pour les petits. Après, on a de la layette, le haut 1 € et le bas 2 €. Alors, je reviens juste là-dessus parce que je ne sais pas si vous avez vu, j'ai eu un petit moment de silence. Parce que j'ai vu 8 €, non, c'est bien 1 €. Vous voyez, les accessoires 1 €. Donc, on ne se fie pas à l'étiquette qu'il y a là-dessus. Bureau pupitre, 45,90 €. Des stockages de miroirs fenêtres, 29 €. Alors des fois on a le nom du magasin d'où ça provient, des fois on ne le voit pas. On a ce miroir aussi. Alors, je regarde ce que c'est parce que vous voyez, j'ai l'impression que c'est du métal. Faut fier pas trop à moi parce que des fois je confonds. Des fois c'est du plastique dur, j'ai l'impression que c'est du métal. Mais j'ai l'impression que c'est du métal. Ah oui, il est assez lourd. Ça doit être celui-là, 27 €. Je vous dis ça parce qu'il y a d'autres enseignes où on va le trouver, mais c'est pas du métal, c'est du plastique. C'est pour ça que je vous dis ça. On a des moules à gâteau, il y a 12 cubes, et en fait, c'est pour faire des number cakes. Vous savez, les gâteaux avec le chiffre qui correspond à votre âge. En fait, je savais pas qu'on pouvait faire comme ça, donc c'est ça, c'est plusieurs petits cubes.
Puis derrière, ils expliquent comment ça se passe. Donc vous allez mettre les cubes à une certaine place et puis dans le moule, vous allez mettre votre pâte à gâteau. Puis ça va former le chiffre. Et donc il y a même une petite recette. Donc 6,95€. C'est ça, le moule avec les cubes. Ensuite, on a les moules 3D donuts, 5,99€, donc en silicone, pour faire ça. On a aussi pour faire la fleur. Et on a celui-là. Friteuse émail noire, 5 litres, 13,45€. Pareil, une autre fin de série. Pour faire les bûches, hein, 9,41€. Enfin, pour faire une petite maison. Cocotte ovale en fonte. Et je viens de soulever, c'est bien de la fonte. C'est comme ça que je vois si c'est de la fonte ou pas. 26,21€. Pareil, c'est une fin de série. Après, on a des petits poêlons, j'ai envie de dire casserole de fer fondu. On a plusieurs modèles. On a celle-ci. On a le carré, rôtissoire de fer fondu, poêle en fer fondu. Alors c'est rigolo parce qu'en fait il y a les petites planches pour poser dessus en bois juste en dessous. Donc en fait ça fait ça. Alors les deux faits tout pour 9,06€. Alors de loin je croyais que c'était une machine expresso, pas du tout. En fait c'est une fondue au chocolat, pour faire une fondue au chocolat. C'est rigolo en forme d'expresso comme ça. Cafetière expresso. C'est 5,95€. On a le set de raclette, si on a envie de se faire une petite raclette tout seul. Voilà. C'est rigolo ça. 4,95€ et en fait là vous mettez des bougies chauffe-plat. Après on a la fondue, donc cette fois-ci pour 6 personnes, 22,83€. Ah, pareil c'est en fonte. Hein. Ça sent l'hiver quand même, fondue céramique, 18,09€. Et on a une autre fondue en inox à 9,66€. Donc voilà, vous avez inox et vous avez tout à l'heure, on a eu la fonte. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même poids en fait. On a pas mal de vaisselle aussi. 1€. Ah, ça c'est mignon les petites tasses à expresso. Tasse à mocha et soucoupe. 2,98€. Donc on a 4 tasses avec 4 soucoupes. La théière. 5,62€. Fin de série. Donc assiette plate gamme basique, 90 centimes. Après, on a les petits plats comme ça, 80 centimes. Donc pour servir une petite salade en entrée, ça peut être sympa. On en a pas mal ici aussi. Hein. On a celle-ci c'est 3,50€. Les petites, 2,65€. Et les assiettes creuses, 2,96€. C'est fin de série là. 2,38. Non, 2,78. Et 2,38. Assiette des bistrots, 1,38€, 1,69€. Les lanternes en bois octogonal blanc.
Alors, je vois pas le prix de celle-ci. On a les lampes là avec les douilles dorées. 8,90€. Alors, je vois souvent cette gamme-là dans un grand magasin de déco. Il reste aussi ces lampes lanternes en céramique. 9,79€. Ah, elles sont sympas celles-ci. 24,93€, donc c'est les chaises scandinaves pour enfants. Elles sont trop mignonnes. Si vous avez des petites tables et tout pour vos enfants, hein, ça peut être vraiment sympa. Oh, les fauteuils patchwork enfant Léonie, 49,93€ au lieu de 69€. Il est trop sympa ce fauteuil. On a un vase en verre, il fait 70 cm de hauteur. 8,42€. On a pas mal de déstockage aussi sur pas mal de plats. Ramequin. Alors, je ne sais pas voir c'est lequel. 4€ celui-là, en pyramide. Il est vraiment original, il est en verre. De loin, je pensais qu'il était en plastique, mais il est en verre. Après, on a ce genre de saladier. On a des petits ramequins. Fin de série sur le salon d'extérieur avec coussin, 229€. Donc, on a une table basse, un petit sofa, un petit fauteuil et les deux fauteuils individuels. Après, c'est peut-être le moment d'acheter votre mobilier de jardin. Je ne parle pas forcément ici, mais c'est vrai que bah, voilà, surtout si vous avez un endroit pour le stocker, ça peut être une bonne idée parce que l'année prochaine, dès que la saison va revenir, bah, on n'aura pas de promo. Étagère bambou, 39,99€. Ensuite, tiens, j'ai vu qu'ils avaient des tables de chevet de tiroir, 39,99€. Par contre, je ne vois pas celle-ci. On a des fins de série. C'est celle qu'on a vue là, 39,99€ en bambou. Le bois est beau, hein, parce que des fois, il y a certaines étagères comme ça, le bois il n'est pas très très blanc. Là, il est plutôt pas mal. On a sinon celle-ci, 39,99€. Alors, celle-ci, elle fait 40 par 30 par 50. La penderie, 39,99€. Table ronde pliable. Alors, c'est la première fois que je vois une table ronde pliable. D'habitude, elles sont rectangulaires ou carrées. 43,79€. Vous savez, c'est les tables qui se referment comme ça. Donc, on peut emporter déjà. Donc, ils peuvent être sympas quand on fait une petite fête, qu'il manque une petite table ou pour autre chose. On peut pourquoi pas la mettre dans le jardin aussi, puisqu'elle est en plastique. 43,79€. Je reviens juste sur les vêtements bébés. Je pense que c'est vraiment intéressant. Hein. 1€, alors que je ne vous dise pas de bêtises, hein. 1€ le haut et 2€ le bas. Donc je pense que vous pouvez trouver des choses sympas pour les plus petits. 1€ le petit polaire, là, ça peut être très intéressant, le petit gilet. Alors les manteaux sont à 2€. Il y a un petit manteau comme ça pour 2€. Donc les layettes, 1€ le haut, 2€ le bas. Layettes, manteau, combinaison, 2€. Le petit gilet. Donc pour 2€, donc je suppose que c'est ça, pour 2€. C'est vraiment intéressant. Les salopettes, là, les combinaisons, ça doit être ça, 2€. En plus, c'est super pratique, vous voyez, ces boutonnés-là. Donc quand on change les couches, on n'est pas obligé de tout enlever, on a juste à déboutonner pour changer la couche. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors comme je vous dis, vraiment, c'est grand, hein, voilà. Donc j'ai pas tout fait, là, il y a tout ce qui est côté alimentation. Après, toujours à voir. Ce que je vous dis à chaque fois, même si vous êtes dans un magasin de déstockage, c'est pas parce que vous êtes dans un magasin de déstockage qu'il faut dire, oh bah tiens, tout est intéressant, on prend tout. C'est à vous de sélectionner, de réfléchir, de voir si effectivement c'est cher, c'est pas cher, ça peut être intéressant ou pas. Et c'est à vous de faire vos propres affaires. Voilà, plein de gros bisous. Et je vous dis à plus tard.